Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Boubours. Salut les riders et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de test d'une trottinette, la Kukirin M5 Pro. Alors sur l'ordinateur, le machin, ça a l'air d'être de la galette, quelque chose de pépère royal, pour moins de 1000 balles. Maintenant, est-ce que c'est réellement ce qui se passe quand t'es dessus, quand le bonhomme il fait 100 kilos, puis qu'on va essayer de rouler dans le brin et d'envoyer la sauce et qu'on va y en mettre plein la tronche? Ça, c'est ce qu'on va voir en regardant la vidéo. Allez, on y va! Fire! Alors voilà le carton quand tu le reçois, mon copain. Le bordel, il fait 42 kilos. Alors c'est livré par DPD. Et ravise-moi ça, je perds. Y'a pas un jetard. Alors par contre, il faudra m'expliquer pourquoi il continue de passer par DPD, en sachant que c'est limité à 30 kilos et que le bordel, il fait 42 kilos. Donc faut pas t'étonner de regarder la vidéo que je te mets le lien juste ici si jamais tu commandes Hector Swapo. Par contre, tu sais pas trop quoi le nom de la marque, parce que là tu vois Kukirin, et si tu regardes ici, tu vois Kugo Kirin. En tout cas, ça rime avec chier du brin. Et leur spécialité, c'est dans un carton, paf, je te remets un carton. Sinon, l'emballage, c'est soirée neige, mon copain, donc suremballé, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, faut faire gaffe parce que t'as vite fait de mettre du brin partout. Et il y a vraiment pas moyen que le bordel, il bouge dedans. C'est vraiment calé de chez calé. Et voilà le bordel quand tu le sors du carton. Alors déjà, tu peux voir que c'est une belle bête. En plus, on a eu le top case, la selle et le tube de selle à suspension. Top case qui se ferme à clé. Heureusement, ils nous l'ont mis. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a du monde. On a la notice. Alors c'est en plein de langues, dont le français. C'est déjà ça de prix. Le chargeur. Un sac avec des rondelles, des écrous, puis des vis. Et une magnifique caisse à outils synthétique avec à l'intérieur accrochette marron, des clés BTR et la clé universelle qui fait un peu toutes les dimensions. Et l'intérieur du top case, il est moumouté, hein, ils ont mis de la feutrine, mon ami. Bon, on va commencer par redresser la fourche parce qu'elle a un peu de biste à coin. Alors pour ça, il faut d'abord enlever la sécurité. T'as vu, ici tu peux pas parce que c'est bloqué que le pépion. Tu tires mais ça suffit pas, t'as vu que sur la vis il y avait un petit plat, et ben tu le tournes pour le bloquer, et maintenant tu peux soulever le bordel. Eh, faut y aller vraiment comme un malade. Après, vraiment, ça prendra sa forme, mais bordel. Et après, tu remets la sécurité. Au début, t'en chies, hein, parce que il faut que la petite pièce ici en silicone s'écrase un petit peu. Après, ça ira mieux. On va mettre le support de selle, donc on va le redresser, mais tu n'y arriveras pas comme ça parce qu'ici, regarde, t'as vu, t'as une petite sécurité. Il faudra le pousser. Parce que si t'elle fait pas, ça bloque ici, ça rentre pas, mes copains. Comme tout, hein. Pas forcé, sinon tu déchires tout. T'as vu, ça passe pas. Et si t'appuies sur le bitonio, et maintenant, hop, voilà, ça passe. Et puis là, tu peux refermer. On va fixer le guidon, hein, pour ça, tu vois, ils ont laissé la potence dessus. Donc pour la mettre, il va falloir dévisser cette pièce-là. Mais avant, je te conseille de l'ouvrir, de le soulever et de le refermer. Mettre plus de place pour pouvoir travailler. On dévisse le bordel, on antique le guidon et on revisse le machin. Il restera plus qu'à revisser les deux petites vis sur le côté. On va s'occuper de la selle. Alors il te faudra le tube de selle. Mais si tu regardes bien la fixation, tu vois, c'est une truc à la C. Eh ben ça s'adapte pas directement avec ta selle. Non, va falloir que tu démontes tout. Tu vois, c'est flagrant quoi, que ça va pas bien. Fin de compte, faut juste retirer la partie ici. Parce que ça tient en force. Voilà, tu vois, comme je t'avais dit. Et toute la technique, il va être d'antiquer le tout sans que ça se casse la margoulette. Alors par contre, fais gaffe à la tige, le fous pas comme ça, ça n'ira pas. Faut vraiment la passer en dessous de la selle. Tu vois, après, tu viens mettre un côté, le deuxième côté. Puis quand c'est fait, tu resserres. Alors hésite pas à serrer comme un gouré, parce que je te garantis que ce type de fixation de selle, c'est vraiment pas les meilleures. C'est celle où ça berloque. Puis après, t'antiques le bordel dans le machin. Voilà, puis t'as plus qu'à resserrer. Alors voilà la machine, elle est montée. Non, il reste plus que le top case à mettre. Pour ça, faut dégager la feutrine à l'intérieur et là on accède au trou. Et c'est à ça que ça va nous servir notre sachet de visserie. Et quand le bordel il est fixé, eh ben termine la feutrine. Voilà, ni vu ni connu. Puis le bordel il tient. C'est bien la première fois que j'ai une trottinette avec un top case. Ah, il faut la clé par contre pour le fermer. Voilà. Puis il n'y a que pour l'ouvrir. Puis je vois qu'ils ont mis de la moumoute. C'est qu'à mon avis, c'est fait pour transporter un deuxième passager. Ça risque d'être compliqué. Ou alors un gamin, il met son cul là et ses pieds ici. Réglage frein,
effectué. Je t'ai mis le tuto juste ici. La machine, si tu veux la plier, bah d'abord on va s'occuper de la selle. T'es des goupilles, histoire que ça puisse tourner, et tu soulèves le truc. D'où le but de bien la régler quand tu la montes. Ensuite, t'es bien ici. Donc, t'es des goupilles, tu retires le machin, histoire que ça puisse bouger librement, et après, comme on te l'a montré tout à l'heure, t'appuies dessus. Et t'abaisses. Faudra juste tourner un petit peu la selle, sinon t'es va l'abîmer, et là maintenant, tu peux venir refermer. Avant de refermer le bras, on va descendre le guidon au plus bas, la goupillette. Ici, t'appuies sur l'HT Bétonio, et après, tu peux abaisser le guidon. On dégage la sécurité, on appuie sur le bordel, et maintenant, ça s'abaisse tout seul. Seulement, le truc, il est complètement con, parce que même le guidon abaissé à fond, bah regarde, tu viens taper dans ton top case. Et le top case, je l'ai mis comme il fallait. Donc en clair, c'est soit tu mets le top case et tu l'appuies pas, soit tu veux l'applier et tu dégages le top case. Un truc complètement débile, tu vois. Le test, il a pas encore commencé quand commence déjà à me saouler le truc. Donc j'ai une trottinette à mi-temps pliable pour être transportable. Ouais, donc tu la mets comme ça, puis tu la fous dans un coffre, donc t'oublies le métro et t'oublies le bus. Bon, on va la redresser. Normalement, le plastique, il s'est mis et devrait passer plus facilement. Mais même là, tu vois le système... C'est pas le top. Bon, après, la sécurité, elle s'est désactivée. Voilà. Toi, ça fout vraiment. Putain, on va aller à fond, hein. Pour une brasse gueule. Donc ça, c'est pas forcément une trottinette que tu pourras transporter partout. Et honnêtement, hein, je crois que vaut mieux la laisser monter. Parce que tout ça, là, ça, c'est du clinquant. C'est pas la grande qualité des fixations que t'as ici. Le pépion, ici, tu galères ta mère à l'enfoncer. Puis regarde, sans s'en servir, enfin le machin du tube de selle à suspension, c'est pratique les tubes de selle à suspension, mais... Enfin, v'là, t'es vois que j'ai du claquant le modèle, là. Sinon, la selle, tu peux la mettre là, comme ça, ou plus bas. Si tu veux le mettre au plus haut, là, j'ai vu qu'il y avait une limite. Voilà. Donc, tu peux quand même aller vachement haut. Mais quand je te dis que ça fait vachement haut, ça fait quand même vachement haut. Alors, j'ai tout retourné sur Internet. Malheureusement, on nous indique pas les tailles des pilotes. Là, on a au guidon au plus bas. Il est en trois positions. On peut le mettre comme ça, qui équivaut pile poil pour la hauteur de selle max. Et tu peux le mettre encore un cran, comme ça, ouais. Ouais, remarque, c'est pas mal non plus. Enfin, ça, c'est plus, à mon avis, quand tu es debout. Ouais. Donc, c'est pour une plage de personnes qui est quand même assez grand, parce que là, pour moi, c'est déjà trop haut. Donc, je dirais 2m10 pour les plus grands. Et pour les plus petits, ça peut mettre facilement 1m55. Et comme d'hab, moi je vais me mettre au réglage le plus bas, c'est vraiment ce que je préfère. On va faire gaffe pour pouvoir garder le débattement du tube de selle. Et voilà, là on est au plus bas. Là c'est pour moi la meilleure position, surtout quand t'es parti pour faire le chabert. Et pas oublier de refixer le guidon, sinon tu vas partir en cacahuète, ma copain, au premier virage. Ouais, là on est pile poil pour faire le chabert. Sinon, on est sur un châssis en aluminium qui pèse 36 kg de à vide et qui peut résister à un poids max de 120 kg. Je pourrais pas trop te parler des soudures parce que bah y a pas de soudures en fin de compte. C'est des systèmes qui s'assemblent directement via des vis. Et ça, c'est un petit peu partout la même chose. Le support de selle fixé avec des vis, donc si tu veux le dégager, bah, tu as 4 vis à enlever. Et au niveau du deck, ils nous ont mis un truc antidérapant, et, qui est vraiment antidérapant. Et si tu veux les dimensions, de là à là, de bout à bout, on a 52 cm. Entre cette pièce-ci et le tube de selle, on a 37 cm. On va dire utilisable pour mettre tes godasses, donc de là à ici, tu as 42 cm. Et 23 cm de large. Ce qui te permet de mettre aisément tes chaussons à trous. Tu vois, tu vas pouvoir rouler, tu vas mettre comme ci, comme ça. T'as vu, putain, t'as entendu le bruit, c'est la selle qui berloque déjà, bordel. T'as beau le serrer comme un gros bourrin, le bordel, bah, avec ton poids, bah, le truc il berloque. Pourtant, 120 kg. Hein. Et j'en fais que 100, donc 20 kg de moins, ça devrait passer. Et ben non, le bordel il a bougé. Alors, tu vas me dire, bah, ça se voit pas. Bah, si, garde, ça se voit parce que si t'es veux la rabaisser, t'es peux plus, ça marche plus. Tu vois, il faut que je la relève un petit peu. Pire des systèmes de selle que tu peux trouver. Je te jure, le plus pourri, le plus chiant. Voilà. On va le mettre comme ça. Là, on vérifie. On peut refermer et ouvrir la selle. On peut y aller comme un gorille, chier comme un gorille. Là, le délire. Voilà. Allez, serre comme un gorille, n'hésite pas. Chiche à tordre le pâte de fixation. Carme. Voilà. Normalement, ça bougera plus. Normalement.
J'ai quand même préparé la pancarte, au cas où, c'est jamais. La batterie, elle se situe dans le deck, donc elle fait 48 volts en 20 ampères, et quand tu veux la recharger, eh ben t'as un petit bitonio en silicone à retirer, et là t'accèdes à la prise du chargeur. Alors c'est donné entre 60 et 70 km d'autonomie, en sachant que le mec il pèse 65 kg, il a essayé à max 30 km/h, parce qu'elle monte à 50 km/h, et il a été sur des terrains plats où il n'y a pas de vent, c'est-à-dire en intérieur, en clair. Le mec il est épais comme un clou de 110, il est monté sur sa bordelle, il a accéléré une fois pour le lancer, après c'est pas arrêté, et soi-disant qu'il a tenu 60-70 km. Alors maintenant, on va voir, pendant le test, un mec de 100 kg qui accélère comme un gorille quand voit la sauce et qui en fout plaise gueule à cette saloperie de trottinette, combien que chéti qu'on a d'autonomie. Mais t'es un peu net sûr, t'es peu couper le bordel en deux. Hein? Voilà. Bien la pancarte. Hein. À l'arrière, ils nous ont mis un porte-bagages, hein, donc toujours pas de soudure, c'est uniquement des systèmes qui sont vissés, avec un magnifique top case. Alors ça par contre, je trouve ça génial. Et le bordel bien moumouté. Ça c'est pratique, tu mets pas grand chose, mais ça reste quand même pratique. On a un feu, alors est-ce que c'est que la lumière ou aussi le feu stop? Ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Les bras de suspension, et pour amortir à l'arrière, on a un amortisseur qui est pas réglable, mais qui ressort. On voit pas bien, mais c'est un système de contrebalancier pour l'amortisseur arrière. Ils nous ont mis un garde-boue en plastoc. Le bordel, il bouge pas, donc on lui en demande pas plus. On est sur un étrier à câble pour le freinage. T'as qu'un seul piston sur les deux qui avance, et on est sur des disques de 140 mm de diamètre. Alors j'ai reçu plusieurs mails de gens qui me demandent mais à quoi ça sert de faire des différentes tailles de disques. Clairement, bah, c'est par rapport au freinage. Plus ton disque il sera grand, et normalement, meilleur ton freinage il sera. Sur du 140, tu vois, on est sur une taille intermédiaire. Mais donc, on verra ça pendant le test. On est monté sur une jante en 10 pouces avec des pneus de 90-55x6. Donc, ils sont bien larges avec des crampons bien prononcés. Ça, c'est fait pour aller dans le brin, ma copain. Et le moteur sur cette trottinette-là, il n'y en a qu'un et il se trouve directement à l'arrière. Donc, c'est un moteur de 1000 watts en puissance nominale. Il peut développer jusqu'à 1350 watts en crête pour un couple de 30 Nm. Alors, tu vois, c'est pas les plus puissants. Et il peut se faire une inclinaison de 15 degrés pour une vitesse max de 50 km/h. Donc, tout ça, c'est des chiffres sur des papiers. On verra ça directement sur le terrain. Ça sera mieux. Mais pour revenir sur le bras de suspension, hein, tu verras que tout est vissé, aucune soudure, donc va falloir vérifier souvent les vis, hein, sinon tu vas perdre des morceaux. Sur le deck, de chaque côté, on a un réflecteur, là on a une ampoule LED, on verra à quoi elle sert. Sinon, bah voilà, hein. Ça, le truc de sel, j'aime vraiment pas la finition, pour moi ça c'est vraiment du brun. On a des soudures, hein, là, bon c'est pas les meilleures, mais bon c'est quand même soudé. Et au niveau de la selle, alors à première vue, tu vois, c'est un truc qui est confortable. Le souci, c'est que quand t'es trop gros comme moi, ben ça va pas, ça se démaque, et puis là, même ici, ça a tendance à se dévisser les deux vis qui sont là. Clairement, j'en dirai pas plus. Si tu longes le deck, tu t'aperçois que devant, c'est pareil, t'as une ampoule de chaque côté, on verra à quoi que ça sert après. On arrive ici à notre roue avant, alors si tu regardes bien, et pour ça, faut se reculer, et ben tu regardes, non, c'est pas un effet d'optique, là, on est en 10 pouces, et là on est sur du 11 pouces, la roue avant elle est plus grande. Et ça vous fait penser à quoi une machine avec une roue avant plus grande? Eh ben une motocrotte, mon copain. Donc normalement, d'ailleurs c'est ce qui est marqué sur internet, c'est une trottinette off-road, c'est fait pour aller dans le brin. Ça tombe bien, on a des conditions climatiques qui sont pas mal, de la bidoule ici, il y a de quoi faire. Je crois qu'on va s'amuser avant de prendre place gueule, 40, c'est Mickey Dolde. De toute façon c'est marqué sur le fourche, cucara, t'es va rouler dans le brin. Donc à l'avant, pas de moteur, c'est une jante en alu à bâton, on voit pas bien, faut qu'on se mette comme ça, ou alors de l'autre côté, bah ouais, regarde si je te mets de l'autre côté, tu vois un petit peu mieux. Les pneus à peu près la même structure, 90-65x6,5, donc les mêmes crampons, bien prononcés, ça c'est vraiment fait pour rouler dans le brin, je te l'ai déjà dit. Par contre, roue plus grande, mais le disque exactement la même taille, 140, avec des étriers à câble, toujours un piston sur les deux qui avance. Et comme tu vois, tout est vissé de chez vissé. Ils nous ont mis un garde-boue. Alors, hyperlock pas, mais... Non, mais regarde, tu vois bien qu'il y a une mouche dans le kebab. Ouais, parce que sur certaines trottinettes, ils nous mettent le garde-boue directement sur la fourche. Donc, qui épouse bien la forme du pneu, hein, quoi qu'il arrive. Là, comme il y a un bon débattement au niveau de ta fourche, et qu'ils l'ont fixé bah, sur le haut de la fourche, là où ça bouge pas, bah, t'en fais un système comme ça, tu vois. Ça fait un peu... Un peu pourri, clairement, si tu roules dans le brin et que ta roue,
aller au débattement maximum au niveau de ta fourche, eh ben, le garde-boue, il sert à rien et tu vas en prendre plein des mocassins. No comment. La fourche, parlons-en, ma copain. Alors, on est quand même sur un truc bien grand qui a un point de fixation ici, un autre ici, et accroche-toi, marron, on est sur des amortisseurs à gaz. Alors, c'est quoi tic, ça veut dire? Ça veut dire que dedans, il y a de l'air, et c'est avec l'air que ça va amortir. Alors ça, normalement, c'est les meilleurs des fourches. En plus, t'as un réglage qui est pile poil. Pourquoi? Parce que tu viens avec ton machin, ton compresseur, hein, comme si t'allais gonfler un pneu, et puis tu règles plus ou moins fort, plus que tu vas mettre d'air, plus que le truc il va être dur, moins que tu vas mettre d'air, plus que ça va être souple et plus qu'elle va s'enfoncer. Mais là, il y a rien de mouche dans le kebab, ma copain. Bah ouais. Moi, je te le dis, hein, moi, le kebab là, on va pas pouvoir le manger parce que c'est quand même beaucoup de mouche. Ou alors, je suis particulièrement débile. Mais si tu regardes bien, tu peux faire le tour dans tous les sens. Eh ben, cherche-le, le machin, pour mettre ta valve de compresseur pour pouvoir regonfler la fourche. Il n'a pas. Donc c'est une fourche à gaz qui est pas réglable. Et là, ça casse le mythe, hein, c'est complètement pourri. Ça sert absolument à rien, tu vois, parce que ça dépend du poids du pilote. Le mec qui fait 120 kg, il va devoir mettre plus d'air dans sa fourche que le gars qui fait 40 kg, ça c'est clair, net et précis. Donc malheureusement, c'est une bonne idée, mais pas réglable, donc... J'ai du brin, 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 brin. J'ai vraiment du brin. En haut de la fourche, là c'est un truc qui à mon avis vaut le coup. Enfin faut pas le croiser parce que t'as vite fait d'être ébloui, voire limite aveugle. T'as les lampes LED, alors un truc de malade avec 6 modules LED par lampe et 2 lampes. Donc 12 modules LED qui vont flasher sa mère. Et ça flash tellement que ça doit chauffer parce que là ils nous ont claqué le dissipateur thermique. Sinon pour revenir sur la fourche, hein, tu vois tout ce qui était de suspension, ben, tout ça c'est vissé directement. Tu vois, aucune soudure. Hein. On remonte, on arrive sur notre guidon, donc réglable avec 3 positions de hauteur. Le bordel debout tabou, il fait 60 cm, donc lui par contre il est bien large. Et on a les poignées de frein où tu peux mettre ta main complète. Les organes de commande, ils sont vraiment à portée. T'es pas obligé d'aller te déporter à la bourboule pour pouvoir appuyer sur le bouton de lumière ou de klaxon. De l'autre côté, au niveau des poignées, ça c'est système pour pas que te casses ta main, tu vois. Donc normalement, non bah voilà le problème, c'est que ces systèmes-là ils sont pas vissés, c'est collé et tôt ou tard ça finit par tourner. L'organe de commande pour accélérer, il est super accessible. Alors ça, au niveau du pouce, c'est ce que je préfère. Bouton marche arrêt, changement de commande, c'est ici. Il te faudra une clé pour le démarrer. Et là, tu as l'indicateur de batterie. La clé, la voilà, tu la mets et puis tu tournes. On a la tension de batterie, pas chargée à fond, donc 49 volts. Et si tu veux l'allumer, eh ben, tu appuies 3 secondes sur le bouton là. Et là, on arrive directement sur notre écran. La tension de batterie qui revient ici. Notre vitesse, le niveau d'assistance, la distance totale parcourue et le niveau de batterie sur 10 bâtons. Si tu veux changer de mode, eh ben, il suffit tout simplement d'appuyer un petit coup sur le bouton marche arrêt. Tu passes en assistance 2, tu rappuies, tu vas passer en assistance 3. Et si tu rappuies, tu reviens en 1. Et pour ce qui est compteur journalier et distance totale, eh ben, ça bouge, hein, t'as rien à faire, ça change tout seul. Le délire, c'est qu'à chaque fois que tu éteins la trottinette, le compteur journalier, il se remet à zéro. Si tu regardes bien, si tu accélères, hop, le bordel, il s'en va sans que tu aies besoin de lancer la trottinette. Si tu veux la lancer avant que ça se mette en route, eh ben, tu appuies 3 fois sur ce bouton. Là, tu vas avoir l'indication non. Et maintenant, tu peux accélérer, ça n'accélérera pas. Il faudra la lancer pour que ça marche. Et si tu veux le désactiver, tu appuies 3 fois dessus. On a un klaxon qui cause pas des briques et la lumière. Alors par contre, là, ça flash autant à l'avant, donc avec les 12 modules LED. Ici de chaque côté, donc c'est pas les clignotants, c'est des lumières supplémentaires pour l'avant. À l'arrière, pareil, une de chaque côté pour la lumière et en dessous du top case aussi. Et si on éteint et qu'on va à l'arrière, si on freine, et ben il y a uniquement la lumière du top case qui clignote, celle sur les côtés, c'est juste la lumière, mais ça n'a rien à voir avec les feux stop. Alors en mode nuit, ça donne ça. Alors là, on peut pas lui reprocher, ça éclaire quelque chose. Alors de pépère, regarde le phare lumineux. Éclaire pas trop l'avant, hein. Si tu vois que la roue elle est éclairée, c'est tout simplement le retour qu'il y a avec le mur blanc. Mais un truc que je trouve complètement con, tu vois, donc là on est lumière à fond. T'éteins, tu rallumes. Et là on a une lumière beaucoup plus douce. Et t'éteins, tu rallumes. Non, on a flash thromboscopique, le truc qui te déglingue. Éteins, rallume. Et là, tu reviens puissance maximum. Ça flash bien. Hein. Après, le système que tes lumières plein feu ou un petit peu en dessous, c'est bien. Parce que si tu croises quelqu'un en bagnole, ils vont en prendre plein le cigare quand t'es puissance maximum.
truc que je trouve complètement con, c'est les flashs stroboscopiques, quoi. Voilà, quoi. Tu roules, toi, tu mets en plein phare. T'es en mode normal, tu vois quelqu'un qui va arriver en face. Bon, t'éteins, tu rallumes. Tu vois, faut éteindre et rallumer, tu te retrouves dans le noir, dans le jour. Pour avoir une lumière plus diffuse, pour pas déglinguer les yeux du mec en face. Mais après, si tu veux revenir en plein phare, bah t'éteins, tu rallumes, ça clignote, t'éteins, tu rallumes, et hop, ça revient à fond. Ça, stroboscopique, je vois pas le but. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Nat, quoi de neuf aujourd'hui? Ah là 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 là, Monique, je te raconte pas, le jour il m'est arrivé des bricoles. Ah bon? Vas-y, raconte. Bah je revenais de chez Brian et sur la route, bing, un contrôle de gendarmerie. Contrôle papier? Non, alcotest, hein, et en plus chez Brian, je te dis pas, on avait bien picolé, hein. Et alors? Bah j'ai enlevé mes lunettes. Bah pourquoi faire tes lunettes? C'est ce qu'il m'a dit le gendarme. Bah oui, je me doute, et tu lui as répondu quoi? Bah comme ça, j'ai deux verres en moins. Hein? Et quand tu la retournes de l'autre côté, ben tu t'aperçois qu'ils nous ont mis une magnifique béquille. Donc ça, c'est super pratique. Pour pouvoir tester le bordel, ben va falloir le recharger à fond. Alors au niveau du chargeur, on est sur un truc qui est pas ventilé. Par contre, tu vois que c'est pas de la gnognotte, il est quand même bien lourd. Avec un câble, ils sont pas foutus de notre béret. Donc il fait 1m50 entre ta prise et ton chargeur. Et entre ton chargeur et ta trottinette, ouais, t'as 1 mètre. Et on est sur du 54,6V en 2A. Alors compte entre 8h et 9h pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, hein, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, bah, nous voilà partis pour les tests de la M5 Pro de chez Kugo Kira. Ou Kugo Kira, Kiki Kira. Donc là, je suis en assistance 1. J'aurais même pu... Attends, on va recommencer. Faire un départ arrêté, ça sera mieux en assistance 3, on va quand même donner toutes tes possibilités. Allez, on marche arrière, ça va bien. Allez, départ en marche avant. Donc sur départ arrêté, 10 à l'heure, ça grimpe. Voilà, après c'est sur un moteur de mémoire 1300 et des bananes en crête. Donc tu vois, c'est pas non plus une foutre de guerre. Mais le truc, tu grimpes sans problème et tu continues d'accélérer. On arrive en haut, on est à 11 km. Je vais te mettre comme ça, peut-être tu verras mieux à l'écran. Le display, avec le soleil qui tape dessus, eh ben on voit clair. On voit bien. Oh, j'ai déjà perdu un bâton de batterie. Bon, allez. Il va falloir roder les freins. Donc on va mettre assistance 1, on va regarder le niveau. Ah merde, j'ai remis le 2. Pas terrible ce système là où tu dois appuyer que le bouton il fait tout. Oh, c'est quand même mieux quand t'as un bouton qui fait plus, moins, enfin voilà. Puis le klaxon, écoute, tu l'entends pas. Bon, assistance 1, t'es déjà interdite. T'as pas le droit, police menottes, prison. On est à 28 km/h. Assistance 2, tu sens que t'attires. Après, t'as pas une accélération de malade. Tu vois, tu perds pas ta marronne au démarrage. C'est progressif. Et t'arrives à 38, 39, 40 km/h. Alors par contre, le truc que je regrette, c'est l'angle de braquage de la trottinette. Regarde à l'arrêt. Voilà, là, tout droit. Voilà, là, je suis au max. Donc tu vois, c'est vraiment pas énorme. Ça aurait pu tourner un petit peu plus, ça aurait pas été un luxe. Donc là j'ai claqué l'assistance 3, full, à fond les manettes. Voilà, alors les suspensions royales, rien de mieux. La fourche, elle absorbe bien le choc. L'amortisseur arrière, pareil. Et la selle à suspension, tu vois le tube de selle, il fait bien son taf. Parce que je fais 100 kg et j'ai déjà eu des tubes de selle qui... Voilà, tu t'assis dessus, déjà t'es embuté quoi. Là non. Là ça marche bien. La selle a l'air confortable, ça on verra à la longue. Les pneus, bon ceux-là on les connaît, ils ont un grip qui est vraiment bon. Ouais, elle passe bien. Ah y'a pas à chier, je préfère quand même les trottinettes qui ont du watt comme celle-là.
On a déjà vu plus puissant, hein, mais... Ouais, ça tombe bien. De toute façon, on va y en foutre plein la gueule, F40. On va aller dans le brin, là. Aujourd'hui, c'est pas la chasse. Donc, on va envoyer du steak. Bon, allez, on va essayer la vitesse maximum. Et quand tu fais 100 kg, t'as quand même du mal à arriver aux 45 km/h. Allez, ralentisseur à fond le barzag. Ah ouais, non. Super amorto. Très bien calibré, bien réglé. Bah, de toute façon, on pouvait pas faire autrement. Ni l'arrière, ni la fourche, ça se règle. Freinage de fou. Voilà, on a fait un don de gomme à la route. Les imperfections dans les nids de poules. La route déglinguée. Ça passe. Honnêtement, ça passe. Voilà, sur les terrains avec des cailloux, la terre, ça passe aussi nickel. Par contre, tu vois, ça grimpe. Ah, tu sens que ça ralentit. Ça, c'est emmerdant. De toute façon, tu m'ôteras pas de l'esprit si tu veux vraiment faire du off-road et t'éclater à mort. Il te faut deux moteurs. Un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Et là, tu récupères un grip exceptionnel, t'as un truc qui turbine. En plus, quand tu mets deux moteurs, t'es pas obligé de mettre aussi puissant. C'est-à-dire que tu peux mettre deux fois 500 watts, bah des fois ça marche mieux qu'une fois 1000 watts, parce que regarde là, putain, c'est pas vrai. Ah non. Voilà. Pourtant, on est sur un moteur 1000 watts qui monte à 1350 watts en crête. Hein. Ah, c'est abusé là. Là, j'étais content, j'ai dit ça y est, on va bien se marrer. Bah non, regarde, putain, il manque des watts. Hein. Tout était bon. Il n'y a pas de vent, il fait beau, ciel bleu, une machine qui devrait dépoter. Eh ben non. Elle a du mal. Bah ouais, faut lui donner un coup de main. Voilà, voilà comment je fais de la trottinette off-road, petit. Pas envie de me sentir, je perds. Voilà. Voilà, c'est plein, ça repère. Allez, on va envoyer la sauce. Wow! Ah ouais, là, dans la bosse, là, t'as bien senti le tube de sel à suspension. Et le pire, c'est que je l'ai même pas claqué à fond. Tu vois, il y avait encore du débattement. Là, par contre, il y a encore du débattement. À 25-40! Mais ouais, en termes de confort, tu vois, là, t'as de quoi être berloqué. Hein. Bah, je dis pas, tu sens que ça vibre. Mais ça reste correct. Hein. Mais c'est le moteur. Hein. Allez. Non, on va essayer. Au moins, on va essayer. Aïe. Oh, 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 oh. J'ai fait. T'as plus de patates. Non, là, on peut pas dire. En termes de suspension, ça va. Par contre, le moteur, je sais pas, il y a un truc, quoi. Je dirais qu'il s'éteint. Je dirais qu'il veut plus accélérer. Attends, je suis en assistance 3. Mais regarde. Ah, t'as entendu le bruit? Bah, c'est le seul qui bouge, le 40. Rien. J'avance plus. Ouais. On va changer de terrain. Ah, je suis déçu pour les watts. Le couple du moteur, mon copain, c'est pas forcément les watts. Mais tu peux avoir un moteur qui soit moins puissant et qui ait plus de couple. Oh, 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 yeah. Là, je suis en décollé. Là, on voit la sauce. Ah, on est pas là pour faire des tests de petits parisiens, mes copains. Oui. Ah, c'est vraiment con parce que qu'est-ce que je me merde. Ah la vache. Ah, c'est du pur plaisir. C'est du pur plaisir, mais on aimerait bien avoir un petit peu plus de force dans le moteur. Un bimoteur. Tu mets le même avec deux moteurs. On s'arrache le slip. Pas pour le moment, hein. Hormis le moteur qui manque de puissance, bordel. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas du brin toxo. Bon alors,
On a perdu qu'un bâton de batterie, on a 49 volts 3 et on a fait 5 km. Et 5 km, voilà comment on les a fait. Full, à fond les ballons, et on n'a pas ménagé la mécanique. Mais les pneus qui sont installés sur cette trottinette pour faire du off-road, hein, vraiment pour du off-road, je trouve que c'est les meilleurs. C'est pas les plus chers en plus, mais c'est les meilleurs. Ces crampons-là, ils passent bien. Même dans le brin, ça passe bien. Si, hein, tant pis. Hein. Ouais, on va tester les garde-boue. Allez, nous la partie. Oh j'ai brisé la glace. Ah, purée. Hey, il m'a remis en assistance 1. Tu vois, c'est chiant ce bouton qui est là, parce que quand tu loupes ton coup, tu récupères, bah t'as vite fait d'appuyer sur le pitonio. Et le garde-boue avant, je te l'avais dit, c'est une vraie merde. J'en prends plein la gueule. Plein la gueule. Il est mal calculé. Ils auraient dû le mettre juste au-dessus de la roue plutôt que de le mettre sur la fourche. Ah, une nouvelle partie. Bon, par contre, là, le terrain, il n'est pas top. Il est vraiment glissant. C'est pas la première fois que je me ramasse là-dessus. Ah ouais. Ouais, je sens la chute. Je vais faire gaffe, je sens la chute. Ah, ça slide. Ah ouais, tu vois, les pneus, ils ont du grip, mais ils ont quand même leurs limites. Là, quand tu arrives sur un terrain glissant, les crampons, ils sont peut-être pas encore assez prononcés. Sur la pelouse, ça passe bien. Pelouse givrée, c'est BE hein, quand même. Un peu comme le mec, je crois qu'il faut être complètement zeubé. Rouler de ce temps-là. Problème d'angle de braquage. Là, tu le sens. Tu le vois le problème, c'est quand tu essayes de tourner trop d'un coup. Bah, ça va pas. C'est vraiment le seul problème qu'il y a sur le châssis, parce que la fourche, une merveille, l'amortisseur arrière, nickel, le tube de selle à suspension royale, la selle pas mal au cul, et il seul moteur. Putain. Par contre, quand la côte elle est pas grosse, hein, quand l'inclinaison elle est pas trop grande, ça passe bien. En temps, ça va pas passer, je crois. Oh merde. Putain, c'est un coulanteau, c'était pas prévu ça. Chien. Le moteur, il en a marre, les copains. Il en a ras le bol. Sérieux. Faut qu'il donne un coup de main. Allez, c'est parti là. Là, on s'arrête plus. Hein. Si, ça arrête. Ah, je te dis, je sais pas, je le sens pas le moteur dans le temps. J'ai l'impression qu'il se met en sécurité. Pas réellement en sécurité là, parce qu'il se coupe pas. Mais il veut plus. Il envoie pas les watts. Allez, Jean-Pierre. Ah, puis là, on est en pur bidoule. Je ne plains pas. Là, bah, le moteur il faut fumer. C'est ça, hein, regarde comment ça chauffe. T'es vois le bordel, ti. Après, voilà, s'il faut faire des tests en mi-temps, c'est pas la peine. J'ai des feuilles d'accrochées dans les étriers de frein. Aïe, aïe, aïe. Elle morfe. Là, on peut pas dire on aura poussé la machine au maximum. Oh putain! Oh bah alors là, j'ai tout nettoyé d'un coup. Et même le deck, il est mouillé. Bon, allez, je remets full.
Allez, on va la sauce, saloperie. Allez, on y va, mes pères. À fond les ballons. Et je pourrais regretter aussi, c'est les poignets. Les poignets, ils auraient dû mettre un matériau plus tendre pour la main. Tu vois, ça fait limite plastique. Et quand on voit la sauce et que tu arrives à avoir des vibrations, ben c'est pas les poignets qui vont les absorber. Non, c'est tes poignets à toi. Oh, en tout cas, je me serais bien marré. Je vous garantis. Bon, on va sortir des chemins off-road. Et puis, on va tester sur la route. Hein. On va regarder déjà au moins pour l'autonomie. Mais je suis surpris, hein, parce que là, le moteur a pris plein la gueule. On était tout le temps full. Et j'ai fait 10 km. Et quand j'achète l'accélérateur, je monte encore à fond de batterie. Et quand j'accélère, je perds 2 bâtons. Donc tu vois, ça reste correct, quoi. Ouais, et puis sur du plat, le moteur, il fait son taf. Hein. Le truc, c'est qu'il envoie pas... Il est pas assez puissant pour vraiment bien t'éclater en off-road. Il faudrait soit un moteur avec plus de watts, ou alors partir même avec des moteurs moins puissants, mais en mettre 2. Bon, bah voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais continuer de rouler. Et puis, on se rejoint à la maison pour faire un débriefing. Bon, je suis rentré de ma petite balade. Et accroche ton slip à la petite balade. Elle a été quand même à 40 km. Il me reste plus qu'un bâton de batterie. Mais bon, 40 km en sachant que j'ai fait 24 km en roulant à fond. Mais à fond de chez à fond, tout le temps. Bon, après, voilà, quand ça grimpe, t'es pas à fond. Mais t'accélères à fond, donc elle envoie les watts pour alimenter le moteur. Et j'ai fait donc 16 km où j'étais en assistance 1. Alors par contre, tu vois, au début, l'assistance 1, tu montes facilement à 30 km/h. Par contre, quand t'es arrivé à la moitié de la batterie, l'assistance 1, elle va t'amener pile poil à 25, ce qui finalement n'est pas plus mal. Alors, je regrette un truc, c'est d'avoir dit que c'était du brin. Ouais, non, parce que... Je me suis vraiment bien marré à conduire cette trottinette, tu vois, c'est vraiment pas stérile, c'est vrai qu'il manque un deuxième moteur, et là on enverrait la sauce quelque chose de pépère, mais même si le moteur, il manque de patates, pourquoi? Parce que va monter des côtes comme ça quand tu fais 100 kg, voilà, de toute façon on a vu, j'ai réussi à le faire fumer le machin, mais bon, avec un deuxième moteur ça irait mieux, mais tout le monde ne va pas utiliser cette trottinette dans ces conditions-là, et quand tu reviens sur bitume, bah ça roule rien de mieux. On va dire que j'ai peut-être poussé un petit peu trop fort au niveau du test. Donc on va passer au niveau de la notation. Alors au niveau robustesse du machin, sur le châssis en lui-même, j'ai rien à dire. Le truc il est super costaud, tu vois, ça bouge pas. Là-dessus, franchement, rien à dire. Par contre, le moteur, je le sens pas. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais voilà, tu vois, il s'est mis en sécurité. Bon, toujours pareil, on était dans les conditions extrêmes. Mais voilà, je sens que le truc il va pas durer longtemps. Maintenant, ça n'engage que mon avis personnel d'un gars qui donne ça sur une intuition. Donc je peux largement me tromper, je suis humain. Mais je mettrai pas, voilà, je parierai pas sur la longévité du moteur. Sinon, à part ça, tu vois qu'elle est quand même bien. Donc en termes de robustesse, je vais lui mettre 6 burnes sur 10. Elle aurait pu avoir sans problème les 8, hein, parce que le châssis il est irréprochable. Mais c'est vraiment sur la fiabilité du moteur où j'ai des doutes. Au niveau du confort, rien à dire. Alors là, rien à dire, la fourche elle absorbe super bien. Le tube de sel, il fait son taf plus que bien aussi. Les amortos arrière, c'est nickel. La selle, super confortable, même au bout de 40 km, t'as pas mal au fion. Donc ça là-dessus, non, c'est de la galette. On va lui mettre en termes de confort 8 burnes sur 10, surtout que t'as quand même de la place sur ton... guidon pour pouvoir mettre ton téléphone portable, enfin voilà, ça se conduit super bien, ça freine super bien, hormis un petit manque de patates, mais sinon c'est la galette. Au niveau puissance du moteur, alors on est sur un truc 1000 watts qui monte à 1350 watts. Alors avant, hein, au tout début des vidéos, parce que vous étiez nombreux à me dire ouais, les systèmes de notation n'est plus vraiment pareil qu'au début. Non, il n'est plus pareil qu'au début parce que maintenant j'ai tellement testé une machine
que je peux comparer les machines par rapport à d'autres machines. Et avant, je comparais déjà au niveau du moteur par rapport à la puissance. Mais la puissance, je veux rien dire. Parce qu'on a vu qu'on avait des moteurs de 250 watts qui développaient 80 Nm en clair, qui étaient plus forts, qui avaient plus de couple que des moteurs 1000 watts. Et on a des moteurs de 1000 watts qui, des fois, ont moins de couple, moins de force qu'un moteur de 250 watts. Et au final, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément la consommation du moteur. Ce qui consomme en électricité, on s'en bat le steak. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que le moteur, lui, redonne en termes de force. Et là, ouais, voilà, donc on est sur un moteur 1000 watts, certes, mais en termes de couple, on pourrait avoir mieux, je pense. Donc on va lui mettre 4 jburns sur 10. Au niveau autonomie, 5 km, on a dit, t'avais un jburns. Là, j'ai fait 40 km, donc on va lui mettre 8 jburns, ce qui est logique, mais on aurait pu lui mettre 10. Pourquoi ? Parce que par rapport à d'autres machines où je les teste tout le temps à 25 km/h, là on a fait plus de la moitié, 24 km, où on était à 40-45 km/h, où même si on n'avait pas atteint cette vitesse-là parce qu'on grimpait des côtes de fou, bah on était tout le temps en crête, hein, le moteur il en chiait comme un russe, donc la batterie elle s'est déchargée plus vite que si j'aurais roulé à 25. Mais bon, on va rester sur ce système de notation, 8 jburns sur 10, mais je tiens à remarquer qu'on nous annonce 70 km d'autonomie. D'habitude, c'est toujours à diviser par deux, en sachant que les mecs, ils font 60 kg, qui roulent à 1, tu vois, ils avancent pas, ils accélèrent un coup, puis après, ils arrêtent pas d'accélérer, enfin voilà, il n'y a pas d'à-coup. Ils sont jamais dans les crêtes. Alors, ils ont annoncé la 70 km, la moitié, c'est ce qu'on a en général, ça aurait fait 35 bornes. Voilà, même pas, j'ai fait 40 bornes, et corps, je suis sûr que si j'aurais roulé à 25, j'aurais fait les 55-60 km sans problème. Et en termes de rapport qualité-prix, bah voilà, fait chier ce moteur, tu vois. Mais sinon, on est quand même sur une bonne machine, surtout au niveau du cadre. On a un truc qui est super robuste. Et la batterie. Parce que avoir autant de kilomètres d'autonomie avec une batterie, sur une machine qui vaut 1000 balles, sachez-le, hein, la batterie et le moteur, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui va faire le prix de ta machine. Et là, une batterie de 20 ampères, voilà, ça commence à être un truc costaud. Donc pour 1000 balles, on est vraiment sur un bon rapport qualité-prix. Je vais te mettre 8 jburns sur 10, en sachant que s'il m'aurait dégoté un moteur ou même un bimoteur, le truc qui m'aurait fait grimper des côtes comme ça, je t'aurais mis 10 sur 10 parce que je reviens là-dessus. J'ai pris un panard phénoménal à rouler avec cette machine qui est super stable parce que malgré la vitesse, malgré les conditions, voilà, t'envoies la sauce, bah je me suis pas ramassé la margoulette. Donc ça, c'est déjà une grande chose. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors, une main sur ma run comme chat, voilà, l'autre sur l'accélérateur, j'ai même pas peur, allez on y va, fire!